Le picoulet est une danse traditionnelle genevoise ou une ronde que l'on pratique surtout au temps de l'escalade ou des fêtes de fin d'année. C'est aussi une association fondée par Pascal Caltonnerie en 2009 à Morges. Elle réalise des plats traiteurs et peut fournir des réceptions jusqu'à 1500 personnes. Comme ici, on peut rencontrer le picoulet dans les lotos, les marchés de Noël et des manifestations diverses. Comment ça, au revoir, maman ? Bonjour. Merci. Bonjour, comment allez-vous ? T'as mis tes ailes aujourd'hui ? Tu es belle. Mais c'est bien, ça, c'est bien, ouais, ça chante. D'accord. Ah, ça c'est les... Eh bien, nous sommes le 30 novembre. On est à l'oreille d'un mois qui s'appelle le mois de décembre, qui est celui de toutes les festivités, qu'elles soient de Noël, etc. Et nous sommes ici dans la salle d'Avanchès à Lèves pour le marché de Noël organisé à l'initiative des Dalton Cruz. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Diabète Exchange est une association qui a pour but de collecter des fonds pour payer des billets d'avion aux enfants malades membres de cette association. Ces enfants sont tous atteints par le diabète et ils font des échanges interculturels au Québec avec d'autres enfants tous les 2 ans. Ce sont généralement des pré-ados de 12 à 13 ans. Sous le label Célian Création, Michael Melcher est un artisan, créateur de bijoux entièrement faits à la main, personnalisés et sur mesure. Il maîtrise les pierres précieuses et semi-précieuses, la fantaisie et peut réaliser toutes les formes souhaitées. Les GDE. Sous l'impulsion de Jessica, la fondatrice du groupe et qui faisait auparavant de l'improvisation théâtrale, les GDE sont un groupe d'amis pour qui le théâtre est devenu une passion. Pour permettre de concrétiser leur future représentation, ils viennent au marché de Noël vendre leurs créations pour collecter des fonds pour les costumes ou bien la location de salles. Thank you.
c'est les moules. C'est cool, on les répare, on les fabrique, on fait tout. On récupère aussi d'autres bougies pour refondre et refaire. C'est vrai, ça se fait pas. Enfin, en général. Oh, on le fait avec. On le fait pour des essais, on va dire. Voilà. Qui c'est qui m'a piqué mon bâton? Je sais pas faire des bougies, moi. Ça peut arriver, hein, j'imagine, c'est comme avec tout. Avec des objets de récupération les plus divers, Christine Eggimann redonne une seconde vie aux objets avec ses créations. Quelle idée, franchement. Ah ouais, excellent. Et puis après, on change les thèmes sur le balcon. La récup aussi, je prends des baguettes que je récupère. Ça change de couleur ? Ouais. Et ben bravo. Non, merci. Je continue. Oh, non. C'est effectivement assez original. Ce jeune couple confectionne des gâteaux avec des produits pour bébés. Alors Raphaël, on est ici donc à ce marché de Noël, et j'aimerais qu'on parle un petit peu des Dalton Cruz. Comment est née cette idée d'association, et puis pourquoi ce nom ? Alors en fait, on était quatre amis, et en fait, on voulait organiser des concerts, et on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour faire rentrer de l'argent. Donc on s'est dit, on va essayer de faire des marchés de Noël, et puis ben, c'est la troisième année, ça se passe pas trop mal, on va dire, pour commencer. Et puis, en fait, on était quatre. Il y a une personne qui nous a lâché l'année passée. Donc maintenant, on n'est plus que trois pour tout organiser. Donc, c'est de ces quatre qu'est née l'idée de Dalton ? Oui, parce qu'en fait, on était quatre de quatre tailles différentes. D'accord. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ? Ça peut le faire. Et donc, je suppose qu'organiser un marché de Noël, c'est quand même pas si simple. Il faut convoquer, inviter des artisans, essayer de faire un peu de propagande. En tout cas, Canal 29 en fait un petit peu. Alors, le plus dur, c'était de trouver des artisans. Parce que, bon, en étant tout nouveau, tout neuf, ben, les gens ne nous font pas spécialement confiance. On a des gens qui nous ont soutenus. Il y a eu Canal 29, il y a eu la commune de Vernier la première année. On a eu des associations comme la société Jim des Avanchais qui nous a donné un gros coup de main aussi au début pour faire à manger et puis pour la location de la salle. Et puis sinon, bon, on s'est débrouillé par nous-mêmes pour faire tout ce qui était la pub, les flyers, affiches, et etc. Et puis je pense que le bouche à oreille aussi, ça fonctionne un peu. Ouais, pas mal. Facebook, ça marche bien aussi avec les amis qu'on a plus ou moins tous en commun. Ça marche pas trop mal.
Bon, là, on est un petit peu dans un moment de creux parce que simplement, les gens finissent leurs courses. Mais je sais que, par exemple, par rapport à l'année dernière, et ce sera exact aussi le cas ce soir et demain, vous allez devoir refuser du monde. On espère. Ça va pas être facile. Vu le temps qu'il a neigé et qu'il y a du soleil, je pense que les gens ils préfèrent aller au ski. Donc on verra bien demain. Non, la neige, c'est pour lundi. Elle est tombée cette nuit déjà. Oui, mais bon, c'est... on est passé entre les flocons. Alors, vous avez d'autres projets. Donc, l'idée est de faire un nouveau marché de Noël l'année prochaine, mais d'autres idées? Alors, à la base, je pense l'année prochaine, on va en refaire un aussi. Mais on va essayer d'organiser des concerts. On a pris contact avec 2-3 groupes, assez sympas. Et on verra la suite des choses. Si on ne met pas des bâtons dans les roues, on va essayer d'aller. Des concerts de quel genre? Rock, un petit peu? Alors, plutôt rock. Après, on est ouvert à toute proposition. Si on a d'autres groupes qui seraient intéressés de se lancer, des jeunes du quartier éventuellement, pourquoi pas. D'accord, bah écoutez, on va essayer de suivre tout ça. Et puis, bon succès pour cette année et puis bon courage pour l'année prochaine. Bah, merci d'être venu, c'est sympa. Le parcours est une discipline athlétique et gymnique qui a vu le jour au Lignon et qui repose beaucoup sur l'improvisation. Thank you.
merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, petite émission télé présentée par nous-mêmes. On va se retrouver avec le choix d'un Noël presque parfait. On va rencontrer 4 personnes d'âges différents et de professions différentes qui vont nous raconter pour eux quelle serait leur version du Noël parfait. Donc, je vous retrouve dans 2 minutes. Voici nos invités. Faites un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Nous allons commencer tout de suite avec la première participante à cette émission. Elle s'appelle Joy, elle a 86 ans. Elle nous vient du sud de la France. Elle a 4 enfants, 6 petits-enfants. Et elle va nous raconter sa version du Noël parfait. Bonjour, moi je m'appelle Joy. Et pour moi, un Noël parfait, c'est quand je suis avec toute ma famille, mes amis, mes petits-enfants, mes enfants et tout le monde, quoi. J'adore mon gendre quand il est à côté de moi. Je fais un peu des bêtises, mais c'est un homme gentil quand même, même si, ouais, il n'est pas très intelligent non plus. J'aime aussi ma belle-fille. Elle est un petit peu blonde quand même, pas très fut-fut, mais je l'aime beaucoup. J'aime aussi avoir Fifi, assis en dessous de ma chaise, qui me caresse les jambes. Il est adorable. Ça me rappelle une anecdote où mon gendre, qui a essayé malencontreusement, il y a 5 ans, d'amener son assiette à ma mère. Ok, je vous retire ça, merci bien. On a compris pourquoi c'était pour vous le Noël le plus parfait du monde. Merci d'applaudir Joy ici présente, s'il vous plaît. On va tout de suite enchaîner avec Marjorie, qui est secrétaire de direction et qui va nous parler pour elle de son Noël parfait. Merci. Alors, pour moi, un Noël parfait, écoutez, je travaille beaucoup. Ça fait des années que je bosse, et j'en suis arrivée là parce que je bosse. Puis, avoir les pieds qui s'enfoncent dans la neige et tout d'un coup glisser, et qu'un homme me rattrape et que ça soit le coup de foudre. Et comme ça, le soir, je serai plus toute seule avec mon chat. J'aurai mon petit chéri qui me ferait à manger. Parce que ma famille, elle habite loin. Et je suis toute seule pour Noël. Voilà. Merci bien, tenir un applaudissement pour Marjorie également. On va partir maintenant une toute petite page de pub, on vous retrouve juste après. Merci de travailler avec nous. Bonjour, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un trou dans le pare-brise, j'ai perdu mes lunettes. Je t'avais dit, femme au volant, c'est l'amour assuré au tournant. Bien, c'est bien. Je t'ai déjà dit d'arrêter de te moquer, ça suffit, j'en ai marre. Ah bien. Si on va avoir des cadeaux, le Père Noël se balade en traîneau. Il n'a pas besoin d'avoir un pare-brise et une voiture. T'as pas de scotch, s'il te plaît, pour réparer le pare-brise, là? De toute manière, même si j'en avais, qu'est-ce que tu voudrais que ça fasse? On arrivera de toute manière pas à le réparer. Ah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, hein? Vous voyez, c'est dans ces moments-là que... Heureusement que Carglass est là pour sauver vos fêtes de famille et votre porte-monnaie. Carglass répare, Carglass remplace. Déjà passé, nous avons eu Joy, nous avons eu Marjorie. Il nous manque encore à interroger Juliette, qui a 17 ans. Elle est étudiante à l'ESCG en Rue du Nord et elle va nous parler pour elle de son Noël presque parfait. Alors, pour moi, le Noël presque parfait, ce serait 3 iPhones, on va dire. Hein. C'est gentil. La Play 4 qui vient de sortir et la Xbox One. Une bonne montre Rolex, parce que celle-ci, voilà, quoi, un Gucci, c'est pas trop ça. Et peut-être 2-3 ordinateurs, parce qu'on a toujours la disquette, voilà. C'est tout Roméo, dans tout ça, il est où? Elle a un problème, madame. Ok, on va s'arrêter là tout de suite avant que ça s'énerve un peu plus. Merci pour, je vais tutoyer pour ta participation à notre émission, merci de nous avoir partagé ce que tu voulais pour Noël. On va enchaîner avec la dernière. Angélica, on se réveille. C'est à ton tour de parler. Parle-nous de
pour le Noël parfait. On t'écoute. Prends du bon et la douleur. Bonjour. Alors, en fait, pour moi, le Noël parfait, bah, c'est avec ma maman, mon papa. Désolée. C'est avec ma maman, mon papa, avec ma grande sœur, mon grand frère, avec mon chat, avec mon petit chat Félix, il est trop chou. Et, ah oui, dans le salon, un immense sapin, trop grand, avec plein de cadeaux juste pour moi, mais que pour moi, les autres, ils n'ont pas le droit. Et puis, bah, en fait, moi, je l'ai rencontré pas moi, mais ma maman, elle me dit que c'est pas possible parce qu'il habite trop loin. Ok, je vais te reprendre la parole. Tu as dit que tu voulais voir le Père Noël, c'est bien ça? Tu veux voir le Père Noël. Est-ce qu'il y en a d'autres chez vous, téléspectateurs, dans le public? Est-ce que vous avez envie de voir le Père Noël? Oui! Tout le monde veut voir le grand Père Noël. Alors, il me semble, si on a réussi à bien faire votre affaire, le Père Noël devrait être présent. Mais pour qu'il vienne, quand je finirai de compter jusqu'à 3, il faut qu'on l'appelle très très fort. D'accord? Donc on va tous crier Père Noël, Père Noël, Père Noël, et ainsi de suite, d'accord? Et normalement, il devrait arriver. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Alors on va y aller. 1, 2 et 3. Père Noël! Je ne sais pas si on est fou, mais je suis fou.
Attends, hein, bouge pas. Attends, remets. Voilà. Ça va? Un petit peu, pas beaucoup. Merci beaucoup, papa. Tout âge. Oui, la mère. C'est lutin. Ensuite, j'en profite pour remercier ce charmant public. Merci d'avoir été avec nous. C'était les GDE. À bientôt. Bonne soirée.